Ils sont si nombreux. Angélique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai été contacté hier par Angélique, que je ne connaissais pas. Mais vous êtes si nombreux à être victime de ce système défaillant qu'il est très difficile d'être informé de vos histoires déchirantes. Sans parler de tous les parents qui, par crainte de représailles et ne souhaitant pas perdre le peu de contact qu'ils ont encore avec leurs enfants, préfèrent rester dans l'ombre et n'expriment pas toutes les injustices qui les maintiennent loin de leurs enfants et les souffrances qu'ils endurent jour après jour. Ils souffrent en silence, ne souhaitant pas perdre les quelques miettes d'amour qu'il leur reste encore. Angélique se bat depuis des années pour ses filles et pour faire valoir ses droits, pour que cessent les mensonges et manipulations des différents acteurs de l'aide sociale à l'enfance. Ce rouleau compresseur bien huilé, ayant un budget juste hallucinant, plusieurs milliards par an, pour un bilan désastreux. Dans ma dernière vidéo, j'ai positionné deux rapports de la Cour des comptes qui pointent du doigt ce bilan qui est juste au final minable. Et pourtant, ils sont nombreux à être responsables et à gérer ce rouleau compresseur. Est-il légitime de parler d'incompétence répétée pendant des décennies ? À l'évidence, cela ne fonctionne pas et il faudrait tout revoir. Bref. Angélique ne souhaite plus se taire et prouver à tous les manipulations et mensonges qui la privent de ses enfants. Je suis en attente d'enregistrement et je vais continuer d'échanger avec elle afin de vous sensibiliser à sa juste cause et à son combat. Mais vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, la soutenir et la contacter sur Facebook. Je vais vous positionner le lien dans le descriptif de la vidéo. Angélique, nous sommes avec toi. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.